Les livres que je te conseille pour t'améliorer sur l'anatomie. Ouais, j'ai sorti le plaid là, il fait trop froid. Tim, j'aime pas l'hiver. Bref, ok, c'est parti pour les livres. Déjà, on va commencer par mon livre préféré, le Morpho. C'est la base qu'il te faut en livre pour apprendre l'anatomie. Celui-ci coûte 20€ et il est complet. Par contre, j'ai dit le Morpho, en fait, c'est les Morpho. Ouais, parce que c'est toute une collection. Tu vois, ceux-là s'orientent sur des thématiques spécifiques, ils sont plus petits et moins chers. Tu peux en retrouver un peu partout, mais personnellement, moi, je les ai chopés chez Rougier et Play. De la même collection, du coup, tu as celui-ci. Et il se présente un petit peu comme une sorte de carnet. Je l'ai eu il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai pas fini de le lire. Oh, et lui, il coûte 28€. Sinon, en dehors des Morpho, et toujours du même éditeur, je vous conseille celui-ci, dessiné d'après modèle vivant. Je l'ai aussi chopé à Rougier et Play et il coûte 22€. Perso, j'ai adoré m'entraîner avec celui-ci aussi. Et franchement, pour des livres aussi complets, je trouve qu'ils sont vraiment accessibles. Enfin, pas cher quoi. Bon, j'en profite pour vous montrer quelques pages de mon carnet de croquis. C'est un peu perso, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager ces quelques pages. En tout cas, n'oubliez pas que pour vous améliorer dans l'art en général, certes, il faut beaucoup pratiquer, mais il faut aussi savoir élargir sa culture artistique. Donc s'intéresser à d'autres artistes d'avant ou de maintenant, s'intéresser à essayer d'autres techniques, etc. Voilà, voilà.